Oui, on m'a dit qu'il fallait que je le fasse moins fort parce qu'après il y a un décalage. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce JT du Geek, un JT du Geek du matin. Alors c'est vrai que c'est une news que j'ai vue hier et que je voulais faire et je me suis dit je vais écrire à Chui pour leur demander un complément et tout. Mais je pense que Chui, il est comme moi, il répond au mail une fois par semaine. Et du coup, comme il m'avait répondu un peu avant, je pense qu'il faut que j'attende la semaine prochaine. Donc, on a parlé hier du Chui qui est dessous le micro d'ailleurs. Ça permet de surélever un peu le dossier. De la Chui G-Box. Et en regardant sur leur site, il y a un nouveau projet qui s'appelle le Chui E-Game. Voilà. Donc, ils en parlent un peu ici. Chui E-Game et tout. Alors, bon, il y a une offre upgrade incroyable. C'est-à-dire que s'ils font plus de 600 000 dollars sur Indiegogo, parce que tu verras que c'est directement marqué au-dessus, et ben en fait, ils vont upgrader gratuitement. Au lieu de faire 8 plus 128, ils vont faire 8 plus 256. Au lieu de faire 8 plus 256, ils vont faire 16 plus 256. 8, 128... Alors, je vois pas où est la différence. 828, 8256, 16. Ah, d'accord, ils vont passer en 16 et 256. Ok. Bon, bah écoute, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Bon, on regarde un peu le dossier. Bon, on va, pendant qu'on est là, vite fait, on va remercier les 57 tipeurs qui croient au projet GLG Vidéo et qui ont envie de devenir un peu instigateurs et qui sont devenus Tipeee. Voilà, ça fait déjà 57, c'est pas mal. Merci à eux, voilà, ils se reconnaîtront. Je crois, merde, je crois que j'ai oublié de mettre vos noms en bas. Ça va clignotera la prochaine fois, je m'en excuse encore. Alors, le Chui Indiegogo, c'est pas juste un petit PC. No power so big, no PC so small. C'est pas un PC trop petit. No PC so big. Bon, en gros, c'est un mini PC fait pour le jeu. On va voir. Donc, c'est un projet Indiegogo, donc ça veut dire qu'au départ, il faut rentrer les thunes et après le mettre en production. Ce qui n'est pas très compliqué pour des marques comme ça. Pre-launch, launch, easy bird, early bird. Et j'ai, bon voilà, donc une demande et en gros, il sera disponible vers là. Voilà, et on pourra l'acheter vers là. Bon, c'est pas gagné. Bon, dedans, il y aura quoi? Un processeur de 8ème génération. C'est bien. On n'est plus quand même, on est sur un nouveau processeur. Donc, un Intel Core i5 et i7, et on verra pourquoi. Un Discord Radeon RX Vega MX. Alors, ça, c'est la grosse surprise. Alors, heureusement, c'est pas moi qui le dis, c'est Frandroid. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est un nouveau chipset, la commercialisation. Alors en fait, c'est AMD et Intel qui ont fait un chipset, donc ils ont mis les deux en un. Donc il y a un processeur d'un côté et un processeur graphique, Radeon RX Vega M, trop bien de l'autre côté. Bon, après les performances, tant qu'on l'aura pas vu, machin, bon. Mais ils annoncent que, bah, au moins Chui, ils annoncent que ça tourne comme une 1060. Une GP, du 60, enfin bon, t'auras compris pour la carte graphique. Un 6x6 inch ultra compact steel design, donc voilà, un tout petit boîtier, donc il est assez petit, 6 pouces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça fait, voilà. Hein, ça fait, bon, ça fait 15 cm à peu près. 15-20 cm. Microsoft Windows 10, upgrade friendly. C'est assez bien. Contrairement à un MacBook 1, un MacBook Mini où tout est soudé maintenant où tu peux rien faire. Tu pourras upgrader facilement la RAM et le stockage en SSD. Ce qui est pas. Mais quand t'es un enculé, tu soudes tout. Mais quand t'es pas un enculé, tu fais un truc plug and play. Le Thunderbolt 3, ça c'est bien en USB type C. On l'a vu pour pouvoir mettre. Razer vend des boîtiers externes pour mettre des cartes graphiques. Et on verra que eux, après, ils ont fait une vidéo et que ça fonctionne bien pour booster un peu la machine. Compatible 4K, compatible HD Ready, compatible avec deux écrans, ça c'est pas mal. Donc on reprend le blabla hein, avec des jolies photos, comme ça si t'as pas compris. i7, i5 ou i7. Plus le Radeon Graphics, encore une fois, c'est le chipset 2 en 1, ce dont on parle ici. Voilà, ils expliquent bien, on a 4Go machin de résolution, le Custom RX Vega M, la 8ème génération de Intel Core, ça c'est trop bien. Au niveau des performances, forcément, sur les graphiques, ça tue tout. Dans la réalité, c'est autre chose. Bon, si on prend des jeux comme, alors, si on prend 3D Mark, ou Hitman, ou 2 Device, ou Total War, bon, bah, on voit que notre 8ème génération iCore i5 avec le RX déboîte carrément un i7 7700 avec une GTX 1060. Alors, ça me dit, ouais, mais la 1060, c'est la vieille, ils auraient mieux fait de comparer qu'une 1070, mais peut-être qu'avec la 1070, c'est peut-être pas aussi glorieux, tu vois. S'ils mettaient une 1070, que c'était tout pareil, on aurait dit, c'est tout pareil. Alors que là, avec une 1060, hop, on voit bien que tout est au-dessus. Mais déjà, une 1060, ça permet de ronronner un peu au niveau du jeu, quoi. C'est pas une 1070, c'est pas une 1080, mais voilà, ça permet déjà de voir un peu les choses venir. Easy upgrade, nanana, donc ils vous disent que tu pourras facilement, il est beau le boîtier, il est trop classe, que tu pourras facilement l'upgrader, machin et tout, plein de connexions, de connectiques. Alors, l'USB type, l'USB 3, il y en a, putain, 5, c'est pas mal. Bon, prise audio, machin, ça c'est bien. Prise Ethernet, bon, pour le relais Internet, ça c'est pas mal. HDMI 2, deux fois, et USB-C, ils ont un peu inversé le dossier là, en haut on dirait bien, alors, ah non, ah oui, deux fois HDMI et deux fois DisplayPort,
Ça, c'est pas mal. Il est où, l'USB type C? Ah, il est en façade. Ah, d'accord. Ouais, donc deux fois, parce que si on met deux écrans, tu vas mettre un en HDMI et un en DisplayPort. C'est ce que je fais, moi, par exemple, sur les deux. C'est vu que la carte graphique, elle ne comprenne pas trop pourquoi il y a deux HDMI. Là, c'est pas mal. Plus un USB type C en façade. Alors, j'aurais peut-être préféré avoir deux USB type C, parce que je suis chiant. Mais après, bon, on mettra un hub. Voilà. La taille, gros comme une raquette de ping-pong. Voilà, et c'est tout ce que tu auras. Alors, du coup, comme tu es quand même un petit peu curieux au niveau de la curiosité, on va quand même regarder un petit... Ouais, ça va, on rigole. On va regarder un peu chez Indiegogo ce qu'il nous propose. i7, mananana, donc il sera disponible en... Bon, ça sera bien évidemment, ça partira depuis la Chine. S'ils font les 600 000 $, et on est à combien là? 361 000 $. Oh, on a fait la moitié. Ça va, on a fait la moitié de la route. Donc là, il y a Indiegogo, donc tu vas payer 360 $. 8 x 3, 27. 6 x 8, 48. Attends. Ok, Google. Combien ça fait 361 $ en euros? 361 $ des États-Unis, équivalent à environ 310,02 €. Bon, 310 €. Ah ouais, faut bien que ça serve à quelque chose. 310 €, bon, t'as quand même... Alors du coup, c'est 8ème génération, on reprend, tu vas pouvoir l'upgrader et tout machin. S'ils font les 600 000 $, ils vont te le mettre plus cher. Il est classe, hein, il est classe. Et en fait, ça a l'air d'être un peu comme un Mac Mini. J'ai un Mac Mini là, dessous, tu le vois pas, mais il est bien caché. C'est un peu comme un Mac Mini, mais c'est évolutif. Ah, il est bien, avec les barrettes de RAM et tout. Bon, ça veut dire que même s'il ne l'upgrade pas, bon, t'enlèves le capot, tu vas acheter, tu vas... Au pire, tu connais rien, t'enlèves tes deux barrettes de RAM. De 2x4 pour avoir 8 ou une fois de 8. Tu vois, magasin, tu fais la même. Voilà, chez LDLC ou ce que tu veux, la même. Voilà, ils donnent la même en plus grosse. Hop, tu mets 2x8 dedans. Pour peu que 2x16 ça rentre, t'as quand même 32 Go de RAM. Pas mal. Et hop, tu les remets dedans. Ça, c'est pas mal. Bon, le SSD, pas grave, avec toutes les prises USB type C ou machin, tu pourras mettre un peu de la mémoire. C'est pas mal, hein. C'est un bon petit PC. Voilà. Donc, il explique que tu pourras. Alors là, bon, il est c'était cool. Et sur une autre vidéo, ils ont bien mis le boîtier pour mettre un peu plus de graphique. Ce qui prouve bien que c'est pas non plus une bombe atomique, quoi. C'est une 1060, l'équivalent d'une 1060. Mais comme c'est un modèle Intel et AMD tout compressé maintenant dedans, on aura un boîtier compact. Ça peut être sympa pour un PC, hein. Moi, ça pourrait me plaire. Moi, personnellement, ça pourrait me plaire. Je t'enlève un peu la musique. Mais c'est le genre de solution qui... faut voir si c'est compact et que ça tient ses promesses avec une carte graphique équivalent à 1060 pour le montage, c'est bien. Si c'est compact comme ça, c'est bien. Si c'est un i7 que tu peux vraiment l'avoir avec 16 Go de RAM, c'est bien pour la vidéo, voire 32, pour être un peu tranquille. Au niveau du SSD, bon, au pire, tu mettras un disque dur externe en USB 3 ou en USB-C. Bon, ce sera quand même plutôt pas mal. Mais ça fait une belle petite configuration. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, par exemple, de cet animal, de ce E-Game. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une solution bien viable? Et en fait, tu diras, ah, putain, ça m'intéresserait bien. Et peut-être que ça vaudrait le coup de mettre un peu la pression à HUI de notre côté pour en avoir un dès que possible pour faire une vidéo, par exemple. Est-ce que c'est trop cher? 310, c'est elle qui l'a dit, hein. 310 €, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est un bon prix? Est-ce qu'il y a mieux pour le même prix, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir une configuration aussi musclée, déjà dans le commerce, pour le même prix, dans un truc, un boîtier un peu compact? Je parle pas du Mac Mini qui vaut une blinde et qui est sous macOS. On parle d'un truc vraiment équivalent, avec un i7, avec au moins une 1060. Donc du coup, comme ça rentre pas, tu l'as dans le cul. Tu es obligé d'attendre cette nouvelle configuration pour avoir un truc compact. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que vous l'achèteriez pas? Est-ce que vous trouvez que c'est trop cher? Pas assez cher? Est-ce que c'est le genre de produit qui vous intéresserait? Ou pas du tout? Est-ce que vous aimez les news que vous n'avez pas? Est-ce que vous voulez devenir tipeur ou pas? Ou faites ce que vous voulez. C'est avec plaisir que je vous retrouverai peut-être dans la journée s'il y a une autre news. Cher commentaire, pouce en l'air. Tu partages sur les réseaux sociaux. Tu laisses un commentaire. Ça fait plaisir. Tu mets un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Tu mets un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo. Et si éventuellement tu trouves des produits de je n'ai pas parlé, que tu aimerais bien qu'on traite, tu mets un petit lien dans les commentaires, ça passe en spam, mais après je les revalide et on fera par exemple un JT du Geek avec ça. Je pense qu'aujourd'hui c'est bien pour commencer la journée. Je vous souhaite une bonne journée. Celui-là il a été long, hein, mais c'était bon. Hein. Ça me plaît bien, hein, ce produit-là. Je sais pas vous, mais moi j'en ferais bien mon 4 heures par exemple. Allez, paix et prospérité, bonne journée, à tout à l'heure et sinon à ce soir en live pour un GLG pas en live, votre quotidienne à partir de 16h. Paix et prospérité, bonne journée, bye bye.